Yo. C'était une game tranquille. Je suis beau. Tu l'as vu? Ouais, je suis sur le stream des autres là. Le BMAT. Yep. Salut les gars, vous allez bien? Allez! Oh GG! Après un game avec le prochain, on est Une bien belle d'accord. égalité! Qu'est-ce qui se passe de beau ici? Pas rien, on va voir ce soir, on va me faire éclater, ça va être super. Bah sauf si Project il y arrive quoi. Après, Attention, je stream, hein. s'il faut compter pour qu'un mec arrive gros. Dex, tu veux commenter? Bah je suis dans la game. Bah Bah si tu veux, parfait. écoute. Après si vous êtes VP, hein, moi je suis Terran. Hein, Aaron il est peut-être. Oui, il Là est pas dans la game. Ah je bah suis en c'est moitié dommage. malade gros, j'ai pas envie de commenter ou quoi que ce soit. J'ai un de ces mal de vide, c'est. Et tu Bah vois, du coup, pareil. ils ont bien mis le counter en début de game. Mais En c'est début fou de game, il y a le con, counter. c'était complètement Mais non, stupide. c'est complètement. Moi, je suis d'accord avec toi. Attends, c'est Bennett qui l'a fait ça? Ouais. Hein? Non, pour toutes les games? Si, Ouais, ouais. toutes les games, Ouais, même j'ai en vu ladder. ça, ouais. C'est Non! useless, gros. Au secours! Fallait mettre ça après la pause, pas au début de la partie. Putain, c'est complètement con. Ça fait Aucun chelou, ouais. putain de sens. Alors, regarde, là, il va faire une forge. Ok? Moi, je prédis la forge. Il s'appelle fromage déjà. Ouais. Quoique, remarque, il a pas envoyé de prom encore. Hein. Non, il va jouer standard. Max Pax peut-être. Non, mais je suis con moi. Sont dégueu tes couleurs. Quelle Qualité couleur? du jeu. Il est jamais content. Bon, la première game il m'a bien niqué hein, quand même. Hein. Enfin, Ouais, je vais pas regarder la première. juste, bah, il m'a attaqué, il est plus vite que moi et il a gagné quoi. Genre, début de game. Ouais, puis j'ai pas très bien géré mes units et. Vu que les mecs de French Ops ils disaient que vos deux openers étaient à chier sur la deuxième game. Tu fais. Ouais. Ah Ouais, ouais? la première game Ouais. aussi, hein. Ah, C'est quoi ce il double forte. Rax là? Il forte le. Oh texte, c'était quoi ce double Rax au début? Bah c'était un bon BO. Qui est bien passé d'après ce que j'ai vu. Bah le truc c'est qu'il avait beaucoup quoi. Bah ouais. Il a continué de prod Ouais jusqu'à... voilà, c'est ça. Il a continué exactement, il a continué de prod jusqu'à avoir Je sais pas, en gros d'habitude quand les gens quand il y en a qui push comme ça, ils ont je dirais, je crois ils ont genre un ou deux reapers de moins et Et l'usine, tu l'as vachement trollé avec ce BO. Ouais mais du coup t'as un steam super tôt. Ouais, T'as un mais tu te steam fais shield. complètement contrer contre ça. Bah c'est pour ça que j'avais un bunker et lui il a dit bah bunker pas les couilles. Ouais, mais il a 5 faucheurs, laisse tomber. Ah bah oui, tu passes derrière. Non mais Facile. il a fait ce qu'il fallait, enfin il a contré quoi, voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Après, c'est pas la meilleure carte pour fast expand. Comme Mouka là? Non, mais en TVT. Sur l'Everdream. Ah, c'est pas faux. Et après deuxième game, en vrai j'ai pris tellement cher sur son premier drop, parce que moi c'est moi je l'attendais en milieu de map. Et genre il est arrivé dans Ah ma mais main ouais, à l'improviste. Il est arrivé dans ma main à l'improviste. Putain, je me suis dit, oh c'est mort, il va Mais défoncer enfin tous les VCS parce mais oui, que... et en fait il a raté ses shots hein. Ouais! Il avançait un tout petit peu plus ses élions, il avait la brochette hein. Il les a même pas micro. Bah ouais. Parce qu'il pouvait se faire une brochette de VCS mais Bah ouais, il Quoi avait ça? vraiment l'opportunité de se faire la brochette et finalement il a pas utilisé quoi. Bon bah bon. D'ailleurs je lui ai snipé sa B3 et il a compris que s'il venait pas me niquer s'il me niquait pas maintenant bah moi j'avais la gold quoi. Ah. Salut Behemoth. À plus. A Je vais plus te dire au Behemoth. revoir. Moi j'ai remarqué Ouais. des Bah petites hein. alors, Moi qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'est ça ouais. Tu nous aimes pas c'est tout hein.
Bon alors mon cas là il fait pas son injection sa main. Bon Behemoth, t'es 4 cassettes ou pas? J'en sais rien moi. Oh. Allez mon cas, t'en as éjecté un. Je sais que je suis passé master et que j'ai fait genre 4-5 parties ouais. Depuis. Ah. Ouais, faut trouver le temps. Hop, c'est surtout ça me fait 6h quoi, 6h ou un truc comme ça, ça l'avait bien cramé quoi. Ah bah. Ah oui, si t'as joué 6h, ouais. Ah oui, j'étais en prison en mode que mon passeur en passe. J'ai testé des filles. Vers l'orac, ça a pas marché. J'ai fait des beaux trucs. L'orac pour 4 draws, points, c'est pas trop loin. Hein. Ah, je t'ai testé des builds et puis t'es monté direct master. Ça c'est beau. En vrai pour passer master t'as pas vraiment besoin de build parfait quoi. Bah, j'ai un peu comment les matchups fonctionnent tu vois genre en fait je perdais tous les late games de PVT donc c'était compliqué. Et Cheese là il prend, ouais il va faire plein d'adeptes hein. Là il a 1, 2, 3, 4. La Seagate, Seagate lève. Du coup, il doit faire gaffe, hein. Mais il a vu qu'il n'y a pas B3-1. Hein. Il a vu, donc normalement il. Oh putain, il vient de revenir. Il a combien de larves là? Il a 8 larves. Il drone, il drone! Le fils de pute, il drone! Your forces are organisées. Il a pas de but, hein. Il sait pas ce qui lui arrive. Bah ouais? Putain, mais comment il a vu qu'il n'y avait pas B3 quoi? Ah, il a perdu tous ses overs en plus. Et il a droné. Ouais, c'est contré sur la B2. Ah, il y a un peu de roach. En vrai, tu vois, là, il a perdu qu'une seule queen pour le moment. S'il arrive à sortir ses roach, il tient. Hein. Derrière, il n'y a pas B3 quoi. Bah, ouais, mais il y a un crap d'orac là. En vrai, je pense qu'il va tenir. Hein. Ah, il va tenir. L'écho ça va encore. Ouais l'écho là ça va hein. Là il va en faire quoi encore 2, 3, là, ça fait super vite, non 4, oh là là 18. Top 18 drones. Ouais mais si tu regardes en soi il a toujours plus hein. Ouais bah il a repré de... il a plus de tech. Il a perdu, il a toujours ses queens sur les bases. Donc il va pouvoir continuer à avoir des larmes. Fromage fondu qui a coupé sa prod de prop. C'est déjà ça. Ouais bah, normal c'est un rolling quoi. Ouais. Il attend le prisme, il est bien là. Là il est bien. Là il y a quoi à la maison pour défendre contre les contre tous les roaches? Il y a même pas de. Ah ok d'accord, il vient de faire. Ouais il y a animaux. Il y en a un deuxième qui arrive. Ah ouais, ok, yeah, ok. Ouais full sentry. Il peut pas faire de ravageur. Bon, il y a de quoi défendre tu vois, mais il va jamais pouvoir poser ça des points. Hein. Ouais. Ouais, en soi là il peut pas. Enfin, c'est pas très beau mais. En soi là il peut juste sniper le cybernetic core. Je sais pas pourquoi il snipe pas le cybernetic core. Je trouve stalker sur une base. Ah mon dieu. Allez snipe le cybernetic core. En vrai il a perdu pas mal de drones là. J'aurais pas vu. Là ah ouais. Ah ouais quand même 13 drones, hein. Il y a plus de propres que de drones. Il y avait zéro raison pour le perdre. Pas beaucoup. Putain le mec m'a proxy 4 games. Mais là ouais, bah, ouais, non, c'est bon, il prend la hein. Mon cas là il a gagné hein. Attends, je vais pas plus dire à 8 minutes il y a... Non non mais il y a Dex qui est en train de... Non, j'ai cher qu'il stream, il sort de chill là, c'est bon. C'est bon, il a gagné tout ça. Ouais, je suis en mode Rirax. Ouais, 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 non, il est vraiment bien. Par contre il a beaucoup d'argent hein. Il a beaucoup d'argent. La scène, oh mon dieu. Tu peux rester et crier, y'a pas de soucis. Il a beaucoup d'argent. Je parle pas toi, je veux pas, mon cul. Je suis à moitié malade et tu me gueules dans les oreilles. Interdit d'insulter les mères. On dit que t'étais monté dans mon estime hier, tu redescends. T'avais été éminemment sympathique. Qu'est-ce que j'avais fait hier? T'étais sympathique. T'es en train de tout perdre, hein. Ouais, ouais, il est en train de tout perdre, hein. Fais contrôle N Zephyr. Contrôle N. Il a beaucoup d'argent, hein. Je sais pas pourquoi il s'y pose pas une base. Et... Mais t'as ça à droite là. Oui, mais non, je peux pas faire comme ça. Il va se faire push là. Là, y'a beaucoup pour le Protoss. Hein. Il a un peu d'humour en fait, il a pas la compo adaptée.
Il y a vraiment beaucoup côté Protoss. Hein. Il faut Mazerien en fait. Hein. Mais comme il y a il est en train de faire là. Ils sont là-bas. Et là, il y a beaucoup d'argent. Hein. En fait, les deux, ils ont. C'est défendu là, tu penses? Non, non, ça pue pour un bouquin. Ah, ça pue, on est bien d'accord. Sans le sexe. Il fasse plein de Zaring. Bah, il est en train d'en sortir. Il y a 24 qui arrivent. Hein. C'est là, il y a plus de sentry, donc c'est à chier. Ouais, bah, il se donne toutes les sentry. C'est ça qu'il faut que fasse. Et là, normalement, c'est bon. Allez hop, c'est parti. Les verts réagissent. Ouais, par contre, là, il y a toujours 4 immons. Hein. Ouais, mais il faut qu'il se tue le prisme en fait. Il faut qu'il tente qu'il se mette en parapluie et qu'il le snipe. C'est ça. Allez, là, snipe le prisme. Il commence à y avoir pas mal de. Ouais, bah, il y a 4 immons. Hein. Il commence à appuyer. Ah, oh, hélas. Ça va jamais défendre. Ça passe pas, ça passe pas. Let's play, mais ça sert pas. Ah, y'a moyen. Y'a moyen de loot ou de win? Bah, s'il arrive à choper le prisme, peut-être qu'il y a moyen. Ouais, mais justement, il l'a pas encore posé. Et y'a toujours les 4 éléments en vue. Ouais, avec quoi tu dis rien? Ouais, mais à quel prix, tu vois? Ouais. C'est le drone. Et il a toujours pas des caps. J'en salue l'autre. Après, il a 1100 de thunes, donc la B4 c'est pas un problème. Ouais, ouais, bah, ce serait bien qu'il la pose, hein. Il aurait des larmes au moins, quoi. Ouais. Oh, le crochet qui va venir avec ses deux imos là. Il a raison. C'est moyen. Ah, il récolle. Ah, il a pas le choix, hein. Il faut qu'il défende sa base. Ouais, bah sinon il va perdre tous ses drones. Hein. Sinon c'est fini. Bah, il va tous les perdre en fait. Ah ouais, non, il va tout conserver les armes. S'il donne tous ses trucs un par un, forcément ça va pas être possible. Il a 3 probes en plus, c'est pas beaucoup. Hein. Il va prendre les sentries, c'est dommage. Putain, seulement 4. Ouais. C'est trop peu par rapport à ce qu'il a donné. Ouais. Qu'il y avait pas de batterie, il y avait rien. T'as une belle WAM. Ah mec, je suis mort, hein. je vais décéder sur place. Et je dois jouer après, ça me pète bien les burns, je peux te le dire. Qu'est-ce que t'as mangé? Mais je sais pas, je faisais courir hier et ce matin j'étais pas bien. Et plus la journée avance, et moi je suis bien. Faire du sport, mon dieu. Par contre, il a toujours pas d'œuf. Hein. Bon après, tu me diras, l'autre non plus, mais il les commence. Côté drone. Ouais, 55 drones, 60 probes, c'est. Pas encore assez, hein. Là, y a plus d'écho pour le Protoss, quoi, c'est un peu problématique, hein. What? Il peut TP, là? Non, c'est un shift clip sur la map, ça. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir P, là? Pas rien du tout, d'accord. Ah, ce sera pas des DT, déjà. C'est déjà ça, ouais. Bon, qu'il fasse des bouboules! Sa compo, c'est pas mal. Je peux chier les ergs à ce côté. C'est le but du jeu, gros. C'est leur but à eux hein, dans le match-up. C'est ce côté. C'est la triche. S'il a pas de queen dans sa main, ah ouais, il est en train d'en refaire une. Si tu regardes la map, t'as perdu. Parce que c'est de la triche. Aïe aïe aïe. Bon, il y a deux bouboules quand même, hein. Il commence à tech, bouboule colo. Après, il est fou la dette. Ouais, c'est vrai. Ça pue la merde. Pour qui? Pour Mouka? Ouais, les dettes, ça pue la merde. Mais s'il arrive. S'il prend des grosses bouboules, il peut perdre la dette. Faudrait qu'il tech R en fait, mais ça paraît compliqué là. Tu peux remettre la prod. Il sort 40 zerglings, hein. Il sort 40 zerglings là. Il va push, hein. Merci. Oh, ça pue, c'est pour le top tech, il a rien. Pour qui? Ok, il. C'est moi qui arrive à choper des trucs. Il a pas passé banning, là. Ou les run by. L'objectif, c'est de run by. Ok, il voit les bouboules. Ouais, il les a vus, hein.
Mais le problème des ravageurs. Il va avoir des drops adeptes dans sa main. Il arrive à tenter le circle. Ouf. Trois ravageurs qui partent. Il a bien catch. Sa compo a pu contre Bouboule. Mal géré. Ouais, du moment qu'il arrive à toucher l'économie. Protoss a très mal géré la fight. Ouais. Il va gagner quand même, mais. J'ai l'impression qu'il a. Que Mouka il a trop attendu pour push. C'est bien ce qu'il a fait. Avec son armée côté de la B3 là. Ouais, faut qu'il rentre. Qu'il avait circle et. Après, il y a 27 pros qui sont tombés. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je dis là, faut qu'il rentre, y'a pas besoin de. Pusher. Ouais. Qu'il l'empêche de prendre B4. C'est d'attendre l'erreur. Bah là, il va push, hein, j'ai l'impression, Protoss. Hein. Quitter avec R et il va partir all-in. Hein. Ouais. Mais là, il va partir. Hein. Enfin, il va all-in, mais il fait le Mothership Core derrière. Enfin, le Mothership derrière, c'est un peu con. Ah ouais. Ça c'est bizarre. Hein. Pas hyper logique. Oh, Lizardling. Ouais. Il est en shift click. Allez, Lizardling. On va sur la B4, sur la B4. Ah, la B3. Bon, en vrai, là, les colos, par contre, ils vont un peu bouffer les Zerglings, non? Ouais. Bon, ouais, il essaie de tech air, mais on a dit ça va être chaud, hein. Mais les Zerg, ils contre comment les destructeurs? Quand ils en ils ont pas. C'est pas si fort que ça, comme Zerg. Il est obligé de splitter, en fait. Et en général, le Zerg, il all-in sur les fights. Si le cac, t'es debout, là, ça va. Ah ouais. Après, s'il arrive à bien les. Ah, bien gérer la fête, le Protoss il peut l'enculer, oui, c'est sûr. Ça marche que contre certaines armées. Genre une armée à base de Zerling. Zerling, Bandling. Ah, bof. Il a réussi à poser des 4 là. Ah, il pourra pas rentrer. Ouais, il y en a un qui est rentré. Ouais. C'est boloss. Ouais, il pouvait cancel sa B4. Il a réussi à poser B4 là, le Protoss. C'est Mouka qui dit, c'est Mouka qui sait que ça. C'est pour pousser B4 sur celui-ci. Il était 2 encore. Plein de gaz, et il a que le 1 d'attaque, hein. Plus 1 d'attaque. Ah, il est plus 2 sur ses Zerglings et plus 1 sur ses. Ah, 7 corrupteurs pour 2 colosses. Ah ouais. Ah. Non, il n'y a pas assez. Il n'y a pas de minerai en fait. Lance des vigies. Il a pas encore vu le Mothership. Il a pas encore vu les DT qui arrivent dans pas longtemps. Ah. Allez, vision s'il te plaît. J'envoie les corrupteurs au-dessus. Il a pas envie. Non. Beaucoup de bundling. Ouais, il sait maintenant. Il y a un Mothership, hein. Il va se faire double front, c'est sa fille. Il va rater le coup. Comme ça, je suis sûr. Il n'y a rien pour tuer les curus là. Ouais. Il y a trois. Ah, il va prendre tous les drones sur la. Ouais. Sur la porte. Voilà, oh, là. Oh là 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 là. Il n'y a plus rien sur la tech. Il y a plus d'ADF. La Bouboule mal géré. Par contre, par la B1, il y avait le feu, je crois. Parce qu'il y a une Queen à 1 HP. C'est vrai? Ouais. Allez, Mouka sur la B4 là, sur la B4. Ah, je crois qu'il sait peut-être pas. Ah, si, il sait. C'est terminé. Il sait peut-être pas qu'il y a la B4 là. Je reviens. Ouais, c'est là, il a gagné la guerre. 45 de pop. J'ai Mouka. Franchement, Mouka, il a fait peur. Hein. Parce que. Ouais, tu vois, quand il. Je sais pas si c'est normal qu'il lance des drones avant le push. Par contre, on me dit qu'il n'y a pas de son sur le stream. Non. Beaucoup de bundling. Ouais, si, c'est maintenant. Il va se faire double front, c'est ça.
alors par contre Zephyra, j'ai tué 5 moustiques dans ma chambre. J'ai ouvert ma fenêtre. Ah t'as vu? J'ai ouvert ma fenêtre 5 minutes, j'ai tué 5 moustiques et il y en a encore un que je vois voler là. Et moi j'en ai 0 là, tu vois. Alors que tout est ouvert. Ouais, bah... J'ai mis des moustiquaires partout. Ouais, mais t'as des moustiquaires. Tu sais, moi je suis en résidence étudiante, si je mets des moustiquaires, je vais démonter quoi. Quoi? Mais non! Du scotch et c'est bon hein. Ah ouais? Ouais! Tu m'apprennes? T'achètes ça où? Amazon! Amazon? Ouais, 12€ le filet pour une fenêtre. Pour une grosse fenêtre ou Ouais, une bonne fenêtre. Parce que moi j'ai une fenêtre qui doit faire, je sais pas moi, 1 mètre par 1 mètre. Ah, t'es large. Et tu peux le réutiliser pour l'année prochaine. Tu peux m'envoyer le lien Amazon? Ouais. Franchement, si tu partages avec tes frérots comme ça, c'est bien. Alors, on va mettre les scores. Parce que j'ai mis les scores. Light up. Victor de Mocha. Empire éternel. Alors, Amazon, où es-tu? Voilà. Oh, c'est même moins cher, 7€. Vas-y, t'as envoyé le lien dans le Discord? Je te l'envoie. T'es là. C'est quoi ce lien tout pourri? On va essayer de mettre le minimum. Je sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. C'est moi qui l'ai reçu. Non, ça marche pas. Je t'envoie le. Désolé, cette page n'existe pas. Ouais. J'ai voulu réduire le lien. Top 1m30 par 1m50. Ah ouais, non, c'est bien ça. Putain, je suis large. Ouais. Alors, j'ai fait le con avec la première fenêtre. Je me suis dit, oh, vas-y, je veux faire pile poil à l'extrémité sur les rebords. Donc, ouais. J'ai coupé en fait la moustiquaire. Attends, 1m30, attends, je m'inquiète quand même. Hein. Ouais, non, si ma fenêtre elle va faire 1m. Ouais, c'est hyper grand. Hein. Ah ouais? Faut une sacrée fenêtre. À mon avis, j'ai pas ça. Hein. Ouais, à mon avis, j'ai pas ça. Bon, c'est bon, alors ça fera plus. Après, t'as plus grand. Hein, ça. Ouais. Ouais, je vois. Une fenêtre de plus de 1m50, c'est énorme. Ok, ouais, bah c'est pas ce que j'ai. C'est une porte. Bah, c'est bien, je vais prendre ça. Hein. Et du coup, ça se met avec du scotch sur les bords, c'est ça? Alors, surtout, faut pas utiliser le scotch qui est fourni avec. Faut le garder chez toi pour autre chose, mais. Ok. Parce que là, ça abîme en fait les contours de fenêtre. Ok. Et avec ça. Et ça se met côté extérieur? Intérieur, extérieur, quoi, comme tu veux. Ok. Et si t'as peur de laisser des traces avec le scotch, ouais. Tu prends du scotch de peinture. Ok. Alors ouais. Ça zéro trace, quel que soit le. Mais si tu le colles sur le papier peint, le. Du bois, du. De la peinture, peu importe. Et ça se retire hyper facilement. Ça s'appelle ça. Et ben, je vais m'acheter ça. Hein. Voilà, ça coûte rien du tout. Le roi Merlin ou Monsieur Bricolage. Par contre, je sais pas si ça tient. Et elle a commencé la game là? Ouais. Ah bah merde. Ouais, faut que je mette la gamme quand même, c'est mieux. Hop. Hop. Sinon je stream sur Discord. Ah ouais, on est sur Discord.
Et du coup tu me dis le scotch de base il abîme les murs? Non mais après ça dépend du scotch, faut pas le mettre sur la tapisserie quoi. Ouais bah oui, ouais normal. Parce que ça tu risques de l'arracher quoi. Ouais parce que ça tombe bien sur ta tapisserie. Ah bah ouais. Du coup faut que j'aille regarder tout. Moi j'ai pris du scotch normal. On va mettre la prod s'il te plaît. Hein? T'as dit quoi? On va mettre la prod. Ah. Il y a le gaz. On remarque qu'il y a peut-être du car, mais il a dû bien voir qu'il y avait du gaz qui était pris. Que ça va vite. Il a fait une upgrade pour que ça fasse aussi mal. Il repart sur la même là, non? Il a pas fait des parts oracle, je crois. Là il fait si il avait fait une oracle. Il avait fait une oracle. T'es sûr? Ouais ouais, mais il l'avait perdu, il avait tué 3 probes, 3 drones et il l'avait perdu. Hello hello. Hello hello. Salut. Comment ça se passe là le plan noir? Ça se passe bien, bien. Pour le moment 2-1. 2-1, ouais. En notre faveur. Nice. C'est un peu le fromage fondu. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça c'est du plus seul. Ça c'est du plus seul. Et 2-2. Oh non, quel dommage. Ah, là, il a pas perdu l'oracle. Pas encore. C'est dans 2 drones, il prend des dommages sur ses unités et il tue 2 drones, c'est pas... Alors viens vers Ging là. On casse la B3. Bah pour le moment 0 kill hein. Ah c'est que... S'il essaie de prendre la B3 hein, c'est pas sûr hein. Parce que au game d'avant... Ah, remarque je vois des unités qui se dirigent vers le bas de la map. Donc à mon avis, essayer d'aller poser la B3. Arconte, il a quoi pour défendre? Ouais ok d'accord, il vient de la poser. Ouais là les 2 Arcontes qui arrivent... Je vais te commencer à la maison en fait avec ses armes déjà. Ah quoi qu'il fait des rolls, donc il va peut-être tenter. Ouais, avec les rolls qui arrivent, ça devrait être... Il va avoir 10 rolls et il va envoyer que des derniers pour un game. Il voit. Ah mais il y en a du temps, ça c'est encore. Ça va prendre un peu. Ça va, c'est du coup. Oh, c'est pas là, oui. Ah, il a pas réussi à compter sa B3, c'est dommage. Mais il attaque le... La début. Enfin, non, la début. Ouais, mais tu sais, derrière, il n'y a pas sa B3, hein. Ah, j'attends plus de son dans le stream. Ouais, j'ai son dans le stream. J'ai fait un shift hein, pour réduire le. Ah, il a que sauvé son par contre. Bon, ça va, c'est pas grave. Ah, c'est rentré. Ah, oui, d'accord. C'est rentré. Oh là 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 là, super. Trop tard. Oh le pylône. Oh, c'est vraiment. Oh là là, Mouka. Ouais, c'est plaisir. Ouais, c'est. Bah là, il a raison. Ah, faudrait avoir celui-là là. Tu peux mettre le combo drone hein. Unit U. Ouais, U, c'est plus ça. Ok, non, bah ça va, du coup, il a rattrapé son. Son retard avec la unité. Mais il est encore en retard, mais là en soi, le proto si. Ouais, puis la B3 va tomber là. Il a un petit jeu. Ah ouais, ouais, bah c'est bon, je pense qu'il va devenir en rond. Hein. Il va 2-0. Fromage fondu. Transfert. Aeron toujours là? Ouais. Tu vas jouer du coup Aeron? Ouais j'ai pas le choix là. Mais t'as plus. On sait pas. C'est un 5-5. D'accord. En vrai là il aurait eu des 5-1 et des 5-3 donc c'est pas assez important. Ça va être à 30% de chance. Ça se prend hein. C'est comme une ticket raté. C'était clean. C'était propre.
Putain, le proto, c'est 300 APM pour une game de 10 minutes, c'est pas mal, hein. Il a proto qui a... Ah, bon proto. Un proto qui a plus que 150 APM, c'est rare, hein. Project, ouais, Project, il est toujours pas là. Non, il a rendez-vous. Ouais, pour aller chercher son chat. Ouais, toi aussi t'es au courant. Ouais, le vaisseau il va se téléporter. Sinon, on va Zephyr. Vas-y. Attention. Attention. Oh là là. Ouais. Eh, on peut pas le retirer en plus, cette animation. Eh bah, il est super celui-là, il est super bien. Il est super bien. Du coup, Behemoth dans l'équipe 2 maintenant, j'ai vu, c'est ça? Vas-y, reviens le vaisseau là. Je sais pas, on m'a dit que j'avais plus le droit de participer à l'équipe 3. Ah alors oui, que c'était trop fort. Je m'étais pointé et tout. J'étais dégoûté. Ouais. Ouais, je lui ai dit, ah vas-y, inscris-toi, et puis le lendemain. T'inquiète, si ouais, plus 300 MMR, je suis trop fort, merde. Ah oui. Foutu. Tant pis. Bah, du coup, bienvenue dans l'équipe 2. Welcome. Merci, merci. Et on a plus de clan war, misère. Comme son nom l'indique, je suppose que c'est les meilleurs. De quoi? Par contre l'équipe 2. Ah bah non, c'est l'équipe 1. Ah mais voilà. Pour le coup oui, je sais, non mais on se débrouille. Attends, Shoes, il a pas encore joué. Ça, ouais, je pense que ça va être Shoes. Le problème c'est que Shoes c'est un protoss. Les mecs qui font 40 000, et que Iron en PVP. Et après ils se plaignent de se faire all-in la gueule. Oh, il a 61%. Bah go Iron. Au bout d'un moment il y a un truc qui s'appelle cause-conséquence, tu vois. Tu veux pas que je prenne B3? Moi je prends pas de B3. Bah après aussi, tous les airglings qu'il fait, tu vois, c'est comme dans la game qu'on voit là dans Ops, bah c'est que ça te met en retard niveau drone. Donc s'il fait pas de dégâts, si t'arrives à bien défendre ta B3, c'est. L'avantage quoi, si tu perds la B3 par contre t'es bien arrivé. Ouais, ou sinon il y a la technique de pas prendre de B3, hein. Oui mais du coup ça c'est téléphoné, tu vois, genre on sait que tu vas faire un coup qui va arriver quoi, parce qu'il y a une, ouais tu sais, il y a la fameuse règle en ZVP, c'est si le proto ça va pris sa base avant 5 minutes c'est qu'il y a une connerie. Il y a un truc qui va pas. Behemoth 4340, incroyable. Tu sais qu'hier je suis descendu à 4340. J'ai fait que des loses. Ah ouais? Enfin, hier ce week-end. Ah ouais? T'es loin du 4K7, hein? Mais j'y suis presque là, j'ai monté un peu. Ah, oh! Ouais, regarde mon historique si tu veux. Oh, salaud! Ça fait que des wins un peu. Enfin, que des wins. Je suis en train de jouer plus correctement et tout. Ah. Je pose des questions. Ça joue sérieux? Ouais. Bah, je. Ouais. Il est en train de chier, arrive. Ah! Ah, c'est pas chose qui joue. D'accord, il va caster toute la soirée. Tant mieux. Ils sont cool les French Ops. Pourtant, on est en playoff, hein. Ils devraient mettre leur meilleur joueur en tout cas. Playoff, c'est éliminatoire quoi, c'est comme une NBA, si tu perds un spin. C'est ça. Ok. Allez, phase de poule sont terminées. Trop fort. Donc ça c'est coprolo pour l'équipe 1. Pour l'équipe 2 il n'y a pas de playoff, tu sais toi? Bah c'est coprolo là, non? Bah oui mais coprolo pour l'équipe 2. Bah, on a été éliminé. Ah ok. Attends non, c'est équipe 3. Équipe 2. Bah je crois qu'on a été éliminé aussi. Ah Project arrive jusqu'à 21h30. Ouais, donc personne rejoint le clan et si jamais Project il arrive, en gros on envoie Project et sinon bah ouais, enfin, on envoie pas Project. Et Jojo, j'ai jamais vu on dit Jojo comme dans l'animé mais... Ah c'est le mec qui a des problèmes de langage. Oui, qui a des problèmes, ouais, ça fait rire. Ah oui, Ital, on s'est fait éclater tiens c'était quel jour? 17 juillet mais contre. Ah oui, c'était la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Ok. Mais je crois que c'était un match de poule. Je vérifie ça. Je sais pas trop, moi j'ai rien suivi dans tout ça. Donc, je sais que dans les alphas on a perdu du coup. Et donc en fait, Iron, il suffit que tu me mettes une game, hein.
Bah go Aaron. Allez Aaron, tu mets in-game et c'est pas on... Jojo qui doit y aller, je sais ah pas. Ouais, on est dans le top 3. C'est pas encore. Nice, là. Nice, nice. Attends, les playoffs vont commencer. Bon, je vais préparer un truc à manger, je vois. Ah, mais oui, on m'a contacté pour la playoff, je suis con. Pour répondre. Oh, oui, c'est il y a deux jours. C'est pour samedi. Ah, oui, ok, donc c'est le truc de ça. Oui, mais... c'est ce que je t'ai envoyé. Ok, ok. Je vais voir, je crois que j'ai un anime, mais. Non, je crois que c'est le week-end prochain, c'est le 8 août. Oui, donc. Non, bah non, ah bah si, bah, si. Tu m'as dit normalement oui. Ah non, mais oui, je sais, c'est ce que j'étais en mode, j'avais regardé le calendrier à ce moment-là. Et 8 août, je suis en mode, ah oui, mais c'est ce samedi-là, mais non. Pourquoi les mecs qui font 14 changelins, mais mec, je cache même pas ce que je fais, tu vois. Mais c'est trop bien les changelins, ça fait chier parce que t'es obligé de tout cliquer. On gagne des APM, mais on gagne, on t'embête. Ouais, non, mais après, je vous erg, j'ai 480 d'APM. Non, tu fais des changelins, tu vois. Mais c'est trop cool les changelins. Tu fais des walls de changelins et tu comprends rien. Ah ouais, c'est trop marrant ça à faire. Non, ça c'est cool, j'avoue. Faut pas rager. Tu bloques la rampe et t'as les émeux qui sont en train de bugger en mode oh, qu'est-ce qui se passe? On est bloqué par des îlots. Mais non, c'est pas des îlots. Iron, faut que tu joins le. Ça me pète le chan. Quoi le chan? Iron il a trop pas envie. Je l'ai absolu. Tu rejoins le chat, le chan AWVS FH FH-3. Bonjour. Yep. Écris comment FH-3. Ouais. Tiens. Et c'est chose du coup? Non. C'est qui? Terran 5k4, gros, je vais me faire ouvrir le cul. Ça va être super. Okanebi. Du coup, Zephyr, tu me demandais mon MMR, je suis à 4362. Yep. Pourquoi il faut que j'ai combien, tu m'avais dit? Pour monter équipe 1? Ah non, pas équipe 1, non, mais je pensais que c'était pour l'équipe 2, du coup. Non, c'est bon. En fait, dès qu'on est dépassé le 4-4-3, c'est équipe 2, okay. D'emblée. Je crois que je t'avais rajouté les droits. Quoi comme droit sur c'est quoi, c'est sur Discord ou sur un Google Sheet? Ouais, le Discord. Attends, je te dis. Non, je suis équipe 3. Ben on va corriger ça. Hop, je te rajoute bon, l'autre droit. Je suis bien, l'équipe 3, il y a des gens bien, je les aime bien, tu vois. C'est moi qui choisis la map. C'est qui tortue, tortue, tortue. C'est bah, ça devrait être lui, non? Puisque c'est eux qui ont perdu la dernière game. Mais ouais, du coup, tu mets une map pour mine. Allez, décodeur du chan, Iron, je veux devoir focus. Focus, prêt à. Alors. Prêt à mettre des baffes. Il choisit sa carte là? Bah.
Pillar of Gold. Yes. Comment ça s'écrit en anglais? Quoi donc? Pillar of Gold. Excuse-moi, je t'ai mal entendu. Allez, je l'écris comme ça. Tu disais? Pillar of Gold, ça s'écrit comment, Pillar? P-I-2-L-A-R-D? Pillier, ça peut dire. P-I-2-L-A-R-S. Je pense. ARS? P-I-2-L-A-R-S. Ah, tu l'as en anglais toi? Ouais. Hop. Ouais, je joue toujours en anglais avec le truc. Sauf que j'ai eu ma phase wannabe pro gamer où j'avais le jeu en coréen pour aucune raison. Iron Gold versus Okanebi. What the fuck? J'ai fait quoi? Oh merde! Non. Poulet. En vrai, j'ai peur pour Iron, hein. Me too. What? Okanebi, il est bon, hein. T'as eu le temps de voir son MMR? 5300 quelque chose. Ah! RIP. Donc ouais, en soi, et puis Aaron, il avait vraiment pas la joie à jouer quoi, il était bon, on a l'impression qu'il avait la tête dans le cul quoi. Ouais. J'ai un truc à faire. Tiens, texte, tu vas faire follow. Je fais quoi moi? T'as la caméra. Je te donne un peu un pouvoir. Super. T'as vu, c'est classe. Du coup 3-1 pour nous, si Aaron il en met une, on a gagné. Ça serait pas mal. En vrai là-bas il devait avoir light, puis il a eu son repas de famille là. Hop, le gars côté terrain qui va suivre. Bon, y'a rien de particulier pour le moment, hein. Ok, il part Reaper, donc si jamais après il fait une facto, il l'aura un peu plus late. Ouais, rien de surprenant hein, pour le moment. Il fait chier avec sa probe. Ça va être le moment d'entrer. En vrai, j'ai un peu peur qu'il perde sa probe sur le Reaper là, parce que. Bon, en fait, la probe elle est toute. Tout pied sur le chemin du Reaper. Stalker first. Yeah, ouais, ok, d'accord. Il va cacher sa propre pour pas la perdre, c'est bien. Bon, Reaper qui voit rien de particulier. Ah bah merde, la probe. On dirait que ça va partir, je sais pas, drop mine. On remarque qu'il a peut-être échangé sa facto et sa rax vu qu'il les a fait l'un à côté de l'autre pour faire du Hélion, je sais pas, genre 4 Hélions et tout les envoyer en run by. Bah y'a moyen hein. On remarque. Pas je sais pas ce qu'il fait hein. Il a pas. Ah, ok, d'accord. Allez hop, il fait pas l'orbital. Ouais, il fait pas l'orbital. Ouais, voilà, il a dû oublier de la faire. Ok, bah, deux marines. Ça va partir sur. Bah, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il va faire du tank ou plutôt du cyclone. Franchement, je sais pas. Ouais, j'avais surpris hier Iron en faisant ça. Ah ouais? Ouais, j'ai pas fait de drop mine. Je suis parti direct sur compo marines tank avec un corps. Ouais. Ok. J'ai cancel sa B3 direct. Et il aime pas jouer ouais, fast bah, Zealot en fait. Fasse, hein.
là il va sortir son Raven. Il va continuer à pomper du tank. Mais après il a toujours que 2 gaz, ça me paraît pas beaucoup, enfin, je sais pas. C'est. Parce que là s'il a si avec sa deuxième rack il veut faire je sais pas un add-on et une recherche dans le Steam. Je sais pas. Il fait pas son Raven encore. Ouais il a pas le gaz. Voilà, il a pas le gaz sur son. Il a pas le gaz pour son Raven. Côté Protoss, ouais bah il y a le blink hein, rien de particulier. Ah oh, il pose B3, aïe aïe aïe. Parce que s'il se fait poche, il est mort non? Enfin... Ouais supply block, ah non c'est bon, il vient d'avoir dans le bruit, il se termine. Il va peut-être lancer son team. Bah je sais pas, il a du gaz, il l'utilise ni en steam ni pour du tank. Ok voilà, il fait son steam. Ouais bah du coup côté côté Protoss il va continuer sa petite macro. Il a pas beaucoup hein. Là si si Okanbi se dit ouais hop le sort, il arrive avec 3 tanks. Voilà il y a 5 stalkers quoi. 5 stalkers, il y aura pas d'Imo. Déjà il va avoir la sortie. Là ça va être un push assez délicat. Il la verra. Ça va être du full Marines 3 tanks. 2 ouais, tanks. Marines 3 tanks. Il se prépare à partir là. Ouais, ouais. Partir. Sans retour. Oh là là, Hyper Lobs direct. Il vient de poser. Ouais, 3 gates. Mauvaise opération. Faudrait qu'il fasse un, je sais pas, de l'Imo ou l'Imo Zelot. Ouais, il aura bien le Steam. Ouais, ouais, il aura le Steam. Dans cette pose de B3. De toute façon. Là, voilà, la B3, en vrai, il est parti pour la cancel. Hein. Il y a vraiment beaucoup. Hein. Il a un gros taille, il a pull 4 SI. Ah, il va voir ça, il va voir ça. Ouais, c'est arriver. Bon, c'est vu côté Aaron. C'est vu côté Aaron, mais en vrai, je sais pas rien, ce qu'il va faire. Hein. Ah. Bah, ouais, il a rien là. Il a chrono boost à un niveau. Il aura même pas de colosse. Et il va micro sa vie sur quelques marines. Ouais, il a warpé des pilotes. Mais dès qu'ils vont être en siège là, ça va faire mal. Ah, il remarque, ouais, il y a le pilote char. Il a le blink, c'est tempo, déjà ça. Ouais, il aura blink et charge. Faut vraiment que. Le missile va falloir faire très attention. Ouais. Il y a pas de medivac hein. L'Imo. Ouais voilà. Blink. Blink. Oh là là. Le blink ça annule le missile ou pas? Oh là là là. Ouais. Oh, il est mal. Enfin, ça annule pas mais enfin il va exploser dans le vide quoi. Regardez les VCS. Je vais shooter les VCS là. Après là d'ailleurs ça c'est bien. Ouais 3 tanks. 4 tanks. Derrière il y a des trucs qui va arriver. 5 tanks hein. Ah remarque il y a une boucle qui vient de sortir. Ah ouais mais pour tuer les tanks il a besoin de 2 boules. Faut 2 boules pour c'est pas grave, il n'y a pas de VCS pour les réparer. Ah il recule. Enfin il recule mais en œil il va rotate hein. Ah tu crois il va se repositionner. Le colo il est encore loin. En vrai le colo là j'ai peur qu'il se fasse juste je sais pas ou un one shot par tous les temps. Oh le UB il va. Mais là en vrai il pourrait être pour le temps. Il y avait que 2 marauds. Ouais, non, il avait 4 stalkers, c'est pas assez. Hein. Là, il a une bonne position avec ses tanks. Remarque, à mon avis, il va peut-être devoir back. Mais il y a plus de tanks qui arrivent. Putain, il continue vraiment le push. Hein. Tant qu'il y a des tanks, en vrai, le push il est pas terminé. Derrière, il fait ses upgrades. Il rajoute des racks. Voilà, là, le Liberator là qui va faire mal.
Aïe aïe aïe, il a perdu. Oh, cette agression. 5 gates, 6 gates. La B3 voilà, qui est quasiment terminée. Il arrive à miner avec sa B3, tu vois. C'est pas mal. Voilà, là, là c'est hyper cher. Il a pas beaucoup de solo et. Oh, il a pas réussi à avoir le dernier temps. C'est vraiment un temps là. Allez, 1-0. Ouais, je pense pas qu'il puisse s'en sortir là, il y a. Ouais. Il reste trop quoi. Putain, ce push. Quelle douleur. Ouais, voilà. Allez, mais nique ta mère avec ta Banshee quoi. Il a vraiment donné sa première bouée, son premier disrupteur. Ouais. Je pense, tu vois, s'il avait pu garder son disrupteur en vie, il aurait bien eu le temps de tirer deux fois sur les tanks. Et bah, tirer deux fois sur les tanks, ça les aurait tués quoi. Il est vraiment pas bien. Son joueur c'était. Oh, Canbaye. Canapé. Ça t'arrive de faire ce BO contre Protoss? Côté. Moi? Ouais. Non. Pas du tout. Du tout. Et du coup, ça me donne envie de le faire. Après, j'ai vu hier Hero Marine contre Nib en finale de l'ESL américain là. Ouais. C'était. Et justement, bah, Nib. Non, Hero Marine, il a fait pas mal de trucs avec des tanks, ouais. Et un peu comme là, il pose 3 bunkers. Ah, 3 bunkers, ouais. Ça... Et le mieux encore, c'est avec l'IB. Ah ouais, ouais, je l'ai pas pu faire avec l'Ibé, je vais faire que des tanks. Mais normalement, en fait, t'as deux Libé qui vont sortir et tu poses pas de B3. Ouais. Ok. Et là, t'es trois tanks qui sont safe, à part c'est Blinkin dedans, mais il perd tous ses Stalkers. Et y a les bunkers qui tankent bien en fait. Ah, Submarine. Ace compte sur Chrome et Chris. Ice and Chrome. Ah, texte. Tu veux jouer l'Ace? Pourquoi moi? Parce que t'es le meilleur. Bah ouais. En vrai, je joue. Lucas, il a plus de chance. Lucas, il a pas l'air d'être là. C'est parti. Ah ouais? Oh, c'est bon, j'ai gagné ma partie, je vais en mauvais. Dommage, c'est un Project qui arrive vraiment, mais 10 minutes trop tard. Non, il est là. Project, ouais, bah 10 minutes trop tard. C'est vraiment dommage. J'ai un petit peu Twitch. Je re. Three, two, one. Let's go. Oh, il y a Dark Poet. Kiopsing. Il y aura du PGM. En action. Yo. Yo. Yo yo. Tu vas avoir du PGM. Du PGM. Du niveau de ouf. Alors, oh. Ah, ça passe tant.
standard. Ça part standard, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il refasse la même. Le Canby. Ouais. Ah, dommage pour la probe. Ça va le trigger, ça à mon avis la probe. Hein. Tu crois? Il était vraiment vénère le Iron. Là, pour le moment, il y a rien qui change. Hein. Il repart sur son stalker, le Reaper qui arrive. Il a reposé, ouais, facto. Rien de spécial. Hein. Voilà, faut espérer que si la mieux Canby repose, se remet à faire des tanks, et ben cette fois Iron ne perde pas son disru. J'ai l'impression qu'il gérait plutôt pas mal au début, et ouais, bah en vrai, il a perdu le disru, puis il s'est fait démonter son colosse. Oh là là, le faucheur! Ouais, qui s'en sort avec 3 points de vie. Un poil de cul. Ah ok, c'est pas la même, il part pour du Hélion cette fois. Medivac, il va probablement tenter d'aller drop des marines dans la main et run bad les Hélions. Bon, moi je vais partir sur autre chose du coup les gars, bonne soirée. Ça roule, bonne soirée. Ouais, il y a deux Hélions là. Ah non, Hélion c'est le Hélion et le Reaper. Ah, il va perdre son Stalker, c'est dommage. Ah. Il aurait pu éviter ça. Ah voilà, là maintenant il fait du tank. Tank, Medivac. Ça m'étonne un peu, mais ok. Tu remarqueras que cette fois, Iron pose ses gates avant sa B3. Il me semble que la game d'avant il avait posé d'abord sa B3 et ensuite ses deux gates là. Je suppose que quand il a vu le lion il s'est dit qu'il fallait qu'il wall. Ouais, et là il reste sur deux. Ouais, bah, peut-être aller poser B3 là, ouais c'est ça, il va poser B3. Il part sur quelque chose d'agressif. Oh il repoule les boys. Oh yeah. Après il a pas joué aussi greedy que la game d'avant, donc là il a des gates pour défendre. Il a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Il va pas perdre son ops normalement. Ah mais perd pas tes stalkers déjà. Je sais pas s'il devrait... Oh cette agression est tellement rapide. La base ou pas. Elle est rapide hein, on est bien d'accord. En vrai, allez, utilise tes stalkers là. On va sur la fight, faut qu'il perde son tank là. Oh là là. Ouais. Et là il a pris trop de tank. Allez, micro-gère, sauve-le. Merde, mais tu l'es. Le stalker donné, c'est dommage. Parce que bon, jusqu'à présent il a bien viré. Hein. Par contre, est-ce qu'il a un limo derrière? Ouais. Bah, limo il vient de le lancer quoi. Ah, il a snappé la probe, enfin le SCV c'est bien. Ah, il a pris deux tirs, deux medivac, un deuxième tank. En vrai je vois pas Iron défendre. Là il a rien. Son niveau. Ah il y a un niveau qui vient d'arriver, Non ça va rien changer là. Mal de marine là. Il
Il aura plus de batterie chez lui. Attends, il a pas de skill là. Qu'est-ce hein. Que t'avais dit? Ah, il a pas de steam. Non. Putain, avec le jeu, on n'entend rien en fait. C'est dommage. Ah, il avait une bonne micro. Hein. Oh le boulet, j'ai pas lancé la game. Moka, il est à 5k4. Mais... ouais, il est bien monté. Hein. Mais du coup, est-ce qu'il peut être GM là? Non. Faudrait plutôt qu'il soit 5k5. Mais en tout cas, en... ouais, non, il est plutôt bien. Hein. Romain, ouais, le dernier GM là, il a 5470, tu vois. Donc, il est vraiment pas loin. Hein. Moka, en vrai, il pourrait presque passer GM là. Ouais, non, il est bien, en tout cas, il joue bien en ce moment. Hein. Et toi aussi, t'étais monté plus tôt, je me souviens. J'étais monté, ouais, mais depuis, j'ai redescendu. Hein. Malheureusement, j'étais quasiment 5-4 et après, ouais, bah, j'ai perdu mes 300 de MMR, quoi. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, ouais, malheureusement. Quoi, avec 440, il est. Il est. Il devrait être quelque part en contender, mais je le vois pas. Ouais, moi aussi j'ai cherché dans la ligne d'accès là. Mais je le vois pas dans la ligne d'accès, c'est bizarre. Mais en fait, dans la ligue d'accès, il y a des mecs qui ont ouais. Beaucoup plus de games que lui donc. Ouais, mais regarde. En vrai, je me demande s'il va pas passer GM ce soir. Hein. Parce que là, il y a 23 places de disponibles. Lui, il a 5440. Ça m'étonnerait pas qu'il le fasse up. Hein. Et c'est pas parce que tu es dans la ligue d'accès que forcément tu vas passer. Non. C'est les 23 premiers. T'as plus de chances de passer en fait. Pas forcément les 23 premiers, parce que là, si tu regardes les 23 premiers. Ouais, ils ont 0 game. Le truc, c'est ça, voilà, ils ont 0 game, quoi. Ils ont 9 game, 1 game. Donc, tous les premiers, là, ils ont pas assez de game. Il faut avoir combien de game? Je sais pas combien de game il faut pas avoir, mais en tout cas, là, tous les premiers, ils ont pas assez de game. C'est bien je sais ça. Pas c'est quoi la limite, enfin, le nombre de game qu'il faut avoir. Plus, ça va être la première fois qu'il va être GM. C'est ouf. Bah, j'ai dit, il y a moyen qu'il passe. Hein. Je sais pas s'il y aura en passé, mais il y a moyen. Hein. Ouais. 5440, ouais, ouais, il est bien. Hein. Et José, d'ailleurs, il va jouer là, non, Moka? Ouais, il va jouer contre Okanbi. Donc 5 à 3, il me semble. Ouais, 5, quasiment 5 à 4. Là,
avancez pas. J'arrive. Yes. Alors. Au Canibi contre Mukasha, c'était ça? Yep. What? Let's go. Ah, du bon jeu là. Donc c'est qui est parti? C'est Mooka Shade. Dex, vous voulez pas y aller? Bah Mooka il est bien avec moi hein. Dark, tu voulais pas y aller? Si, mais c'est pas grave, t'inquiète. Après Mooka il a pas beaucoup de games hein. Donc ah ouais, il a peut-être pas assez de games pour être en ligue Dark Poet, tu voulais pas jouer Contender. Il a que 36 ah, games. Mais je peux ouais, pas Dark jouer Poet, tu voulais pas. Mais pourquoi tu veux pas jouer? Moi j'ai tout appris, j'ai appris tout ce que je savais, tu peux jouer hein. Mais jouer c'est à dire jouer genre Bah contre Ganby là. Eh oui, 5 à 4 Terran. Il est pas très fort. Mais je vais le S. Mais je vais le S, le pauvre. Je vais le S. Le pauvre. Ouais. Easy win. Ouais, c'est ça. Oh, Ganby. 5 à 4, c'est quoi c'est... Ouais. J'allais dire, je fais que de me faire destroy par la technique de parting là en contre-tense. Ouais, j'en ai trop marre. Le mec il arrive avec 50 ouais. Stalkers dans ma base, c'est trop. Faut que tu, si tu vois qu'il fait ça, faut que tu fasses. Tu fais un bunker sur ta B2, un bunker dans ta B1. J'ai fait j'ai fait ça. Ouais. Je l'ai fait. Faut bien que t'aies tes tanks derrière tes bunkers. Parce que sinon, genre, il blink dessus et bah tu perds tout. En fait, c'est que j'ai eu deux cas. Un cas, le mec il a fait un BO super bizarre avec 4 gates, un truc comme ça. Ok. Après, il a fait sa tech. Je crois que c'était un 2 baseline, un truc comme ça. Ouais. Il est arrivé avec Blink et Charge Lot. 15 Lot ? Non, Charge Lot. Ouais, Charge Lot, ok. Voilà, avec full Zelot, full Stalker. Ouais. Il m'a détruit. J'avais 2 Stalkers, j'avais 2 Bunkers, 3 tanks. Ben, ouais. 3 tanks, il a tout détruit. Faut mieux que tu repères tes Bunkers. Faut que tu étais civil derrière en auto-repair. Pas forcément en auto-repair, mais. Faut vraiment tes SCV qui soient collés au bunker et dès que tes bunkers ils se prennent les dommages, tes SCV repère direct. Okay. En plus 3 tanks c'est beaucoup hein, derrière. Même si il doit y avoir un replay de son pire. C'est sûr qu'il doit y avoir des trucs. Ouais. Non, j'ai l'impression que le PVT c'est un peu le match-up du bully. PVT. Ouais. Le truc c'est qu'en terrain c'est. Tu perds une fight, t'as perdu, tu perds. Tu perds, je sais pas moi, 2 medivacs que t'envoies pour drop, bah la game elle était quasi terminée. Faut battre les racailles protos. C'est T'as que très peu de marge d'erreur quoi. Ouais. Mais après en soi tu peux prendre aussi des très bonnes fights. Et si tu fais des bons EMP, ça peut très vite Je dirais que tu peux très vite prendre mettre la fight en ta faveur quoi. Tu peux mettre la production Zephyr? Un petit peu ce qui se passe. Eh ben écoute, pour le moment pas grand chose. Un marine, ouais, pour le moment Canby il est standard. Pareil pour Mooka. Mooka qui ne mine pas de gaz. Ah oui, mais il a quasiment 100 de gaz pour faire son speed lane. Ah oui, ouais, c'est classique ça. Il cut dès qu'il a sa base. Ouais, ouais. Hop, il va pouvoir lancer son speed lane. Ah, il va perdre son overland non, niveau BD. Non, c'est bon. L'Overlord il va vivre. Il y a deuxième gaz, donc il y a possibilité de Banshee derrière. Après, il a mis qu'un seul récolteur sur son. Ouais, non, c'est bon, il vient de mettre 3 récolteurs sur son gaz, donc. À mon avis, ça va partir Banshee derrière. Ah oui. Deux gaz aussitôt, c'est Banshee Banshee ou alors il va partir BC quoi. Mais en tout cas, a priori, c'est. Tu vois, là, il y a le Starport qui arrive. En tout cas, c'est qu'a priori, il va te faire de la tech. Tu vois, là, il va faire son tech lab sur Sarax. Ouais, puis après, vas-y, à côté de Starport, il part Banshee. Hein. Bah, du coup, de toute façon, normalement, Mukesha il va le voir parce qu'il a directement lancé l'Overlord. Ouais, puis il y a un Overlord là qui attend. Je comprends pas pourquoi les Terran ils vont pas se balader un peu vers là, envoyer un marine et tout, faire chier l'Overlord qui viendrait ici. Ça se fait ça ou pas du tout? Parce que moi j'en vois pas beaucoup le faire. L'Overlord là? L'Overlord qui est vers la B3 en triangle là. Non, celui qui va venir pour scouter, tu vois. Là, il est arrivé pour scouter, mais il aurait pu l'intercepter. Ah, il fait Libérator. Un marine, ça aurait pas suffi. Un marine.
Bah l'Overlord il serait passé au-dessus et il aurait dit salut. Ok. Ok, donc il fait pas mal si tu vois. My bad. Il fait son steam tôt et il part sur. Bah il a cancel bah, son. À la base il voulait faire un libé. Un libé ça coûte du. Oui, il avait fait un libé. Il avait fait un libé, il a cancel, il a fait un ouais. Viking. Parce qu'il a dû dire. Il ouais, veut se débarrasser de l'Overlord. Bah il va en avoir deux du coup comme ça. Ouais, mais après remarque il aura peut-être le temps de bouger un des deux. Ouais. C'est quand même. Il y a... Oh. Roach Warren du coup pour Mikashail. Ouais. Bon, à partir de là c'est plus macro. Ça va être un truc qui met une pression, je suppose. Ouais, et s'il n'y a pas s'il y a pas Banshee, il n'y a pas Liberator, il n'y aura pas de tank. Là s'il arrive avec des Roach, je sais pas trop ce qu'il y aura pour défendre. Hein. Ah, il fait un téléclap sur son starport, donc à mon avis il va switch son starport ouais. Et sa facto. J'ai pas compris, là c'est Lyon, ils sont retournés à sa base. Ouais, bah, je sais pas, ils ont dû avoir peur d'un run by. Ouais. Ou... De toute façon, c'est sûr qu'il a plus son Reaper, il a dû le perdre. Ok, là ça passe. Non, ouais, le Reaper bon, là, il est encore en vie là. Ah, okay. Le Reaper il est encore en vie. Les Lyons ils sont en train de fighter du Roach. Donc il a vu qu'il y avait Roach. Il part Banshee maintenant. Eh ben, je comprends pas, écoute. Il part pour sa Banshee maintenant. Il fait pas le cloak. Il fait une très light Banshee. Je suppose qu'il a vu les Roach, il s'est dit bon, faut que. Ouais, aucun B qui pose 3 bunkers chez lui quand même. Bah, il a. Ouais. Il a raison, hein. Enfin, faux def. C'est ça. Ah, après, il va passer. Ah, il va passer sur le côté, du coup. Il va faire le tour en fait. Oh putain, ça répare trop vite. Après, ouais, il peut. Ah, oui, là, ça va, parce qu'au final, il doit tourner le terrain. Ah, il va dans les bunkers, donc il va rapporter. Oh, cette violence. Faut qu'il fasse gaffe à pas tout perdre, quoi. Tous ces il met une bonne bille sur les VCS. Il y a la Banshee qui est là, en vrai, là le all-in est fini. Hein. Ouais. 3 bunkers, je sais pas ce qu'il veut faire. Hein. Bah, non, 3 bunkers, non. La Banshee. La Banshee elle fait café. Ouais, c'est bon, il a bien bougé au Canby, il a bien bougé CSCV. Il en a pas perdu un seul, là, j'ai l'impression. Il se met pas mal. Hein. Tu peux mettre le compte de drone. Il y a 47 SCV contre 40 drones. Ah ouais, ça va être. Ouais, en même temps. Ça va être tendu, hein. Ça va être chaud. Va ah être... oui, puis il a refait des Zerglings derrière. Ouais, il en a refait un peu en idée ben, que ça allait. J'ai peur pour Bunka, hein. Que la pression de Bunka elle est pas passée du tout. Il avait. Il a bien défendu au Canemi. D'habitude, moi, quand je le sais, je suis en mode ok, ça va rentrer, ça va tout détruire encore. Bah, il avait son wall de près. Donc les Zerglings en soi ils ont rien fait quoi. Enfin les Zerglings ils sont restés derrière. Il a bien hyper le petit dépôt sur le côté. Donc à partir de là, pour mon cas ça va pas être facile. Hein. Mon cas qui a préparé des sports. Ouais il a deux sports, une sur sa B1, une sur sa B3. Après il cancel la B3, tu vois, bon c'est pas dégueu. Ah non il a pas cancel la B3. En vrai il a beaucoup de Zerglings là, je sais pas pourquoi. À mon avis il aurait. Ah non. Après, il peut juste y aller pour faire pas le. Pu avoir les... Il peut y aller juste pour proc le steam, hein, ça peut le faire, non? Ouais, tu vois. Bah, c'est ce qu'il a fait, il a proc le steam et il est parti. C'est bien ça, ça fait chier un peu. Ouais, non, c'est pas mal, ouais, ça fait chier. Hein. En plus, au Canby, là, il est supply block donc il va pas avoir ses. Oui, il est supply block. Ah ouais, donc c'est il cool, va ça. Pas avoir ses medivac. C'est la pression, la pression Zergling. Munka là, qui est en train de poser B4 et B5. Ah oh ouais, alors qu'il est sur 50 B4, drones B5, encore, il lance ses deux upgrades, donc plus 1 plus 1. Ouais, c'est qu'il y avait trop de sous. Hein. Upgrade côté Terran, bah c'est bientôt fini, plus 1 plus 1. Mais là tout de suite, le Terran, tu vois, sans Medivac, il a pas vraiment de possibilité de push. Donc je suppose qu'il s'en inquiète pas. Côté Munka, je sais pas trop sur quoi il tech, il fait speed battling. Mais il tech pas vraiment encore en fait. Ouais, en soi en tech là il a rien. Hein. Il commence à avoir beaucoup de marines. Ok, il va partir pour un drop. Terrain qui lance son plus 2 plus 2, il a bien ouais, enchaîné. Ouais, ça allait vite, hein, direct. Ouais, il a bien enchaîné son plus 2. Alors que Munka, tu vois, il est encore. Et Munka, il va milieu, repousser. Fin du. Bah le drop là en vrai, ouais. Y a moyen qu'ils prennent bon, tu sais pas, des overlords, y a moyen qu'ils prennent cette base aussi. J'ai l'impression que Munka il a masse unité. Là Munka il a pas grand chose. Là il a pas grand chose pour défendre Munka. Hein. Faut qu'il fasse gaffe, faut
Ok, ouais, il faut que c'est Banling. Okay. Tu vois, il vient de perdre une queen là déjà. Ah, ça va, ok, il va, ouais, il va défendre Izzy. Ouais. Target des Bane, c'est pas dégueu. Mais là, tu vois, du coup, Mouka il se retrouve sur sa il se retrouve B5. Allez, Mouka, là, faut bien enchaîner ses upgrades. Mouka qui vient de terminer son +1/+1. Il a son banning speed aussi. Côté terrain, on lance B4. Il fait pas d'upgrade de mec pour le moment. Ah, il va tenter le double front. Il tente le dos. Ah, ça va, Mouka il devrait pouvoir défendre là. Ouais, c'est bon, il défend le double front. Je pense pas qu'il y ait assez à hein, côté de. Ah, si, tu ouais, les bannings, Ouais, il a bien target les bannings, mais. Mais okay. Du coup, en fait, de ce côté-là, c'est fini quoi. Il défend bien, cool, Mouka il a lancé son +2 pendant la pression et tout, donc il a pas oublié. Ça, ouais, ouais, non, il est bien, c'est bien. Ouais, c'est vraiment important qu'il ait lancé son +2. Il a pas fait de tech mid-game. Ouais. Il vient de poser l'Hydralis Den et l'Infestation Pit. Je pense qu'il va direct passer, il va passer les Hydra, il va passer ultra direct. Ouais, il y a moyen, en plus bah, il est déjà sur 5 bases. Après, il récolte pas beaucoup de gaz, je trouve. Ouais, il vient de lancer 2 gaz, mais je trouve qu'il récolte pas assez de gaz. Hein. Learning Com, il a ouais plus 500 de gaz, tu vois, c'est pas assez. Hein. Ouais, bah, d'ailleurs, là, il a. Tu peux mettre le fond de drone là, je pense qu'il doit être à. Alors il y a 70 drones contre 74 SCV. Ok. Soit c'est à peu près égal. Niveau income, le. Bah le Zag est au-dessus, tiens. Enfin il a plus de. Il a plus de minerai mais il a moins de gaz. Hein. Pour ça, c'est toi, il y a une fight en haut. Ah oui. Il y avait. Hop, ça c'est repoussé. Ouais, enfin une fight. Ah par contre, ouais, là, en fait, il y a beaucoup. Ouais, il a gardé plus tant qu'il a mis. Il y a pas assez de banling, hein. Et là, c'est là, faut prendre. Ah non, faut qu'il passe par là. Oh, les 4 banlings. Il a raison qu'elle est bien. Il va perdre sa B5, hein. Enfin, il y a moyen. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, ça, c'est défendu là. Enfin, il a défendu, hein. C'est fou ça. Là, y'a plus rien, y'a plus Zergling... que. Ouais, ok. C'est ça. En plus, il va y avoir un peu. Là, c'est défendu, hein. Remarque, il n'y a pas beaucoup de pop, hein. Là, Terran, il a beaucoup plus de pop. Il y a 42 pop de plus côté Terran. Ouais. Non, mais ça... c'est ça depuis tout à l'heure aussi. Là, Mouka, il relance des. Ok, ouais, il attaque bon moment. Oh, les tanks qui sont passifs. Ah, il y a pas assez de. Mais il y a les marines qui arrivent pour renforce. Il a attaqué au bon moment, hein. Oh, mais il les bannings qui vont rien faire. Ouais. Bah, il a perdu, hein. C'est dommage, il a bien commencé, il a bien défendu et. Ouais, franchement, ouais. Mais en fait, les 6 tanks à la maison. Il a peut-être perdu trop de banling, non, trop de zergling. Quand il a push tous les marines. Peut-être, tu vois, peut-être forcer, genre aller fast T3 et faire vite une ou deux vipers pour une situation comme ça, tu vois. Je sais pas. Bon, après, c'est sûr que, ouais, il était vraiment bien derrière, c'est déjà bien qu'il ait réussi à atteindre. Il était derrière suite à son push. Bah, je pense qu'il avait pas assez de gaz et genre tu sais quand il a push avec tous ses zerglings là, s'il avait eu des bannings en plus, tous les marines qui étaient dans la pente, il aurait peut-être pu les avoir plus facilement. C'est dommage mais bon voilà, il a bien joué. Du coup victoire de French Hope, c'est ça? French Hope, ouais. French Hope et V-Fish, c'est une alliance. V-Fish, ah, ils ont fait un conglomérat. Ouais, ils sont ensemble pour ils sont ensemble pour tout en fait, Coprulé et Alpha. Ok, ouais, parce qu'il manque de gens. Ils sont pas assez nombreux. Ok. Ça marche. Bon, je vais faire un peu de ladder moi. C'est cool à regarder en tout cas. Ouais. Merci Zephyr pour le stream. Allez, PM. Yes. Et Dext qui a fait le café. Et oui. Ouais, on va dire ça. Hein. Dext le pilier. D'ailleurs, Dext en grec ça veut dire pilier. Ah ouais, t'es sérieux? Ouais. Tu mytho pas là? Bah, je pense mytho. Hein. Moi j'ai goûté ça dans le vaisseau Google Translate. Ça veut rien dire du tout en fait, Dext. Putain, mais Kevin. Faut glisser dans tous les langages. Ouais, bah t'en as pour un moment. Hein. Y'a pas genre. Allez, je fais que